connu au cœur. Et il faut faire dire. Ramène-nous encore de belles musiques d'Argentine. Ramène-nous plein de copains comme tu as fait là avec c'est Eduardo, Fernando et les autres. C'est la deuxième édition. Il s'appelle Seven Guitar Festival. Et bon, je voudrais relier les deux hémisphères, non, les deux mondes, l'Argentine et la France. Faire un festival ici en France, c'est pas facile du tout, mais on a choisi de le faire en communauté. En communauté, c'est-à-dire tout le monde aide à faire une petite partie du festival. Mes amis d'Argentine sont arrivés des guitaristes aussi du Brésil, d'Italie, d'Espagne, pour pouvoir partager une semaine ensemble avec des musiciens de renommée et aussi pouvoir nous exprimer et donner de tout cœur notre musique au peuple français. Et c'était l'idée du début. C'est un festival sans engagement de la culture française, sinon de le cœur des personnes qui donnent ces lieux pour pouvoir faire des concerts et pouvoir aider à les musiciens et au peuple français. Et je suis bien convaincu qu'on va continuer à faire ce festival pendant des années. J'espère améliorer chaque fois ce festival. Merci. Quería tomar una foto de usted. Ce soir, je vais jouer avec une guitare d'un ami, grand ami, le Capilla del Monte, qui s'appelle Guillermo Aguer, qui m'a fait cette guitare pour moi, qui m'a fait un grand cadeau. Et bon, je vais utiliser dans les concerts la guitare de Guillermo Aguer. Bon, j'espère que le concert ça se passe bien. Et je remercie aussi à tous les invités, à tous les musiciens qui font partie de ce festival. Merci. Au 14e siècle, et il a eu beaucoup de péripéties pendant les siècles. Il a brûlé, reconstruit, et il a été rénové, agrandi au 18e siècle, en 1785, juste avant la Révolution. Il a été agrandi beaucoup, les jardins ont été conçus, réalisés, l'orangerie a été construite. C'est pour nous la reprise.
agréable à la terrasse en 2008, ce qui nous permet d'être là aujourd'hui avec, avec un fort mistral, alors qu'on n'aurait pas pu y être sans cette carrière. Et celle-ci va se tenir le concert de ce soir.
Ça va, on mélange un peu les français, un peu l'espagnol. Avec notre ami Maxime, voilà. En France. Deuxième festival, non? Memoria full también, no tengo más. Stop. Acá
pueden dejar el auto allá adentro también, ¿no? Pero yo quiero más espacio, ¿eh? Vamos. Sí. Vamos yendo más. Sí, ya, yo voy. De tout vivant, tout ce que tu vois, c'est que si tu voyais l'intérieur, tu vois un cœur complètement déchiré, une souffrance qui te pourrait partir. Et la preuve, tu vois, ça prend. En el castillo con Jan, el amigo Jan, antes del concierto. Nuestro vieja. Muy buenas tardes. Estamos aquí en un evento muy particular que es elevar la condición humana a través de la música. Y bueno, hemos sido muy bien cobijados por el dueño de casa, en su castillo, para que podamos desarrollar este evento. Así que esperamos al público y tratamos de ofrecer lo mejor de nosotros, sabiendo que todo lo que le llega a nosotros no nos pertenece, es parte de la creación, pero somos los instrumentos para poder ejercerlo. Así que bueno, espero que disfruten de este encuentro. À monsieur Jan. Jan qui nous a aidé toute la semaine avec les musiciens, avec la maison qui nous a prêté aussi pour dormir les musiciens, pour manger les musiciens, pour accompagner les musiciens. Et la voiture, il y a un travail énorme avec Jan. Et aussi à Borislava qui a fait un travail énorme avec Jan. Et merci Jan pour tout.
deseaba dedicárselo a la sonrisa de cada uno de ustedes, de mi amigo de Chile, que fue uno de los primeros, de Maxine y su señora. Lo vi. Tanta gente que ha brindado su cariño, por supuesto a Jan con nuestras charlas largas, a vos. Y bueno, trataremos de hacer un poquito de música para ustedes hoy, de piano y canto. Carlos, estamos aquí en el segundo festival de guitarra de Cévennes, al sur de Francia, compartiendo con guitarristas de Francia, de Italia, de la Argentina, tú de Brasil. Yo de Brasil. Y tú también. Y bueno, yo vivo en Brasil, pero bueno, estamos con todos los argentinos aquí, sí, sí. Y disfrutando estos lugares, esta gente, y realmente un momento muy emocionante, ¿no? Sí, exactamente. Y disfrutando de la organización de Luis, que nos ha invitado ya, entonces bueno. No, exactamente. Éxito para todos los próximos festivales, ¿no? Se llama Cabre. Cabre.
Bon, ce soir, le programme, c'est avec toi, hein, Alex et Gilbert. Et Gilbert, Impérial. Impérial, oui. Nous allons faire un concert à Vézonor et nous sommes très heureux de jouer pour ce festival. Nous sommes très émus. C'est un grand événement en Cévennes. Nous jouons dans un cadre magnifique. Et Louis organise ce festival de façon excellente. On espère qu'il y a beaucoup de monde. On espère que le public sera au rendez-vous. On est au point, jusqu'au moment, ça va, ça marche. Ça marche. Ah oui, ça va, largement. Oui. Oui. Oh, merci, Flore. De rien. Julia, avec plaisir. Vamos. Thank you.
une sœur aussi, les deux nièces, il y en a une, June en particulier, qui va tomber complètement, ben, comme on dit au Québec, en amour, hein, mais c'est une ado, hein, elle a 14 ans, donc c'est un amour impossible. Et puis... qui voulait absolument réussir à la télé, qui était prête à tout. Ben, moi j'avais déjà adoré Long Week-end d'elle, qui était quelque chose de génial, L'adolescence américaine et L'homme de la montagne, tous des bouquins magnifiques. Près de 40 degrés sur les rives du lac du Malsaucy, aujourd'hui un soleil brûlant, les beaux des festivaliers, au point que l'organisation du festival... vont désormais toucher l'ouest et le nord-ouest. Conséquence d'ailleurs inattendue de cette canicule, les programmes... Estar participando do festival é de uma suma importância para o violão e para mim, em especial que estou conhecendo muitas pessoas que são sensacionais, pessoas maravilhosas. E isso que eu acho que é importante no festival, essa troca de informações e trocas pessoais. Por isso que é tão interessante estarmos juntos nessa empreitada com o violão, todos tocando a sua maneira, o seu formato, mas interpretando as peças que tem o de mais importante, que é a alma. Thank you.
depuis qu'il est arrivé avec la famille, Nathalie et les enfants dans ce petit village, Saint-Jean de Valeriscle, à côté d'une petite rivière de montagne, l'Auzonnet, notre communauté est changée un peu, peut-être même beaucoup dans le futur. Parce que la spontanéité, l'ardeur, la douceur de votre musique et de vos collègues pendant cette semaine de guitare, c'était vraiment étonnant. Parce que cette musique, pas seulement, pas premièrement de la tête, mais du cœur. Et quand on pense sur les émotions, et notamment sur le cœur, dans le sens métaphorique, on peut dire, avec le grand écrivain russe Fyodor Dostoïevski, que les vraies grandes idées ne naissent pas de l'intellect, mais des émotions les plus profondes. Alors, quand nous voulons bâtir une nouvelle communauté civique pour lutter la grande compagnie, la pauvreté, etc. et la criminalité de tous les côtés, d'en haut et en bas, il faut développer des communautés nouvelles sur la base peut-être de guitare, de la musique, du cœur et de l'entendement, de la raison. Et comme Pascal a dit, la raison a des raisons qui sont seulement connues au cœur. Et il faut faire un dialogue et un rapprochement profond entre le cœur et l'entendement. Et je crois que votre musique, et en général la culture argentine, est capable de nous apprendre ça. Merci, Fons. Merci pour la réflexion. Merci beaucoup. Merci, Louis, d'avoir voulu prendre Saint-Jean de Valéris comme base pour ton festival de guitare. Petit village de 730 habitants, c'est pas grand-chose par rapport à une ville comme Alès qui fait 45 000 habitants. Et je souhaite que ton festival perdure le plus longtemps possible. De toute façon, moi, de mon côté, je ferai tout pour t'aider, faire à ce que ce festival aille très très loin, aille le plus loin possible. Et puis, parce que la culture, quand même, c'est quelque chose, comme tu le disais tout à l'heure, la France et l'Italie sont quand même deux pays qui sont essentiellement tournés vers la culture. Et la guitare, c'est quand même une culture méditerranéenne. Et il ne faut pas oublier que la France, là où on est de culture méditerranéenne. Donc, bon courage, bon voyage, continue à faire de bonnes choses comme ça, ramène-nous encore de belles musiques d'Argentine, ramène-nous plein de copains comme tu as fait là, avec ces Eduardo, Fernando et les autres, merveilleux. J'ai pu assister à deux concerts, un sur la place de l'église et un au Trianon. Tant pis pour ceux qui ne sont pas venus. Voilà. Merci. L'association Notre-Dame des Mines, qui reçoit aujourd'hui ces virtuoses de la guitare, est ravie d'être que vous ayez répondu favorablement à cette invitation. Aussi, après, en sortant, vous aurez un petit vin d'honneur sans alcool. Et vous avez une corbeille juste avant la sortie pour mettre votre bonne. Voilà. Donc on se retrouvera devant un petit verre. Merci.